Bonjour à tous, c'est Lady Alucard et Lady Alucard. Bonjour à tous. Et on se retrouve sur Kingdom Hearts donc pour continuer cette aventure. Voilà. Alors, quel est le... C'est en haut à droite si tu veux partir. Je sais, mais je le dis. Ah, tu regardes, c'est de l'autre côté. Ouais. Ouais. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, qui ne jouent pas forcément donc à Kingdom Hearts, le royaume de Winnie, c'est un peu un bonus en fait. Enfin, moi, je considère que c'est un bonus. C'est en gros, vous devez récupérer les pages déchirées et à partir de ce moment-là, vous complétez le livre, vous gagnez des mini-jeux, après vous la pétez parce que vous avez des bons records. Tu fais quoi? Tu faisais quoi? Je joue. D'accord. Donc, normalement, le prochain monde, on va essayer que ce soit Lady Alucard qui joue parce que... Ça fait quand même pas mal de fois que c'est moi qui joue. Parce qu'au final... Au final, je suis une malheureuse, je joue pas beaucoup. Au final, t'as fait le chemin de traverse et c'est tout, quoi. Là. Sérieux? Bah... Fait ça? T'as fait chemin de traverse, Alice. Après, moi, j'ai fait Tarzan, Aladdin. J'ai fait deux mondes. Et puis t'as fait Hercule aussi. Et j'ai fait Hercule, voilà, en plus. J'avais oublié, je me disais justement, ça me paraît bizarre, il me semblait qu'il y avait autre chose. Donc on voulait combler justement par... Alors, 6... 5. Et 5. Donc ça serait techniquement mieux d'aller là. Ouais, mais j'ai comme un doute que ça serait bien le monde de Monsieur Jack. Bon, on va aller voir, au pire je retournerai de l'autre côté. Ouais, bon. J'ai même plus comment tirer. Ça va bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué, donc... Ouais. Il y a énormément de monde qui m'ont quand même dit que Kingdom Hearts 2 était quand même vraiment mieux niveau gameplay. Hein. Quand je dis énormément de monde, c'est que ce soit toi, que ce soit toi, bah, des lâches, tout ça. Est-ce que je repars pas en arrière en passant par le truc cosmique? Je sais plus. C'est le bordel. Bon, on verra bien. Hein. Au contraire, je vais peut-être voir Monstro du coup. Il y en a des ennemis. Bah, la dernière fois, ça m'a fait presque mourir. Je dis presque. Tu vas mourir. Mais non. Oui. Oui, là, peut-être. Ah, c'est bon, je me suis trompé. Oh, dites-moi que c'est la fin. Bon, bah. Je suis dans la merde. C'est quoi ça? On va dire que voilà quoi. Non, mais je crois que, ouais, en fait, je repars en arrière. C'est vraiment un décor épileptique, quand même. Ça va, j'ai repris un peu de vie en fait. Ouais. Ouais, on repart en arrière, en fait. C'est quoi, ça? C'est Hercule. Donc, faut pas prendre le truc de... D'accord, mais c'est un raccourci en fait ou Le trou cosmique, ouais, c'est pour retourner en arrière. En fait, ouais, tu reviendras. Je sais pas. Ok, bon, bah ça on le sait maintenant. T'as fait hyperespace? Ouais. Ouais. Mais non, mais t'es fou. Non, je demande, hein, je demande justement, j'avais peur. Bah ouais, mais... Doute, hein. Tu veux jouer debout? Non. Bon, ça m'arrange, ouais. Hein. Sans transition, Bah quoi, j'ai pas rien, moi, t'as mis, une robe. Et alors? Je sais pas, c'est rare, enfin, c'est rare. Ah,
Ah. Bah, c'est rare que tu peux en mettre, tu vois, ici. Bah, c'est un peu le nord. Tu me fais peur, hein. Alors, il va venir un temps où il va falloir commencer à discuter de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur cette chaîne. Parce que maintenant, finalement, il faudrait qu'on organise une rencontre, enfin une rencontre, une sorte de discussion à trois en même temps, avec des dash pour, enfin pour dire un peu ce qu'on va faire. Non, je ne dirai pas. Ouais, je pense que j'ai compris. mais non, non. Ça va aller. Mais, donc, ce qu'il faudrait, c'est dire un peu sur, bah, c'est un comment se porte la chaîne, tout ça. En gros, mais c'est ce que je faisais avant, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Oh, bah, d'habitude, c'est sur un jeu de merde. Enfin, un jeu de merde à trois Non, pas en même temps. Non, vous jouez pas, vous êtes sur Skype avec moi et on en discute. Ah ouais. Donc on se fait chier pendant que tu joues. Ah non, puisqu'on discute. Bah non, puisqu'on discute. Ah putain, mais c'est juste ça. Le truc de jouer, c'est uniquement pour que justement les gens qui regardent se font pas chier. C'est pas pareil. Ouais. Ah, voilà. D'accord. Ah, c'est même sûr. Donc, bah, faut commencer à voir sur quel jeu on peut continuer. Sachant qu'il est peut-être possible que Lydia et Lucas s'y mettent aussi, de son côté. Bah, ça c'est pas dit, c'est pas fait. On était en cours de discussion à un moment, après, on verra. Ah, le truc c'est que t'as pas... c'est bon PC. T'as pas la machine de guerre, voilà. C'est bon. Enfin, mais content quand même de mon petit ordi portable. Quand j'ai, oui. Ouais. Quand tu viens et quand que je te parle dessus. Ah, oui. Mais bon, voilà. C'est un peu à ça que je sais. Donc en fait, ça serait beaucoup de jeux que tu connais rétro. En fait. Donc, ça serait plus moi qui ferais le rétro quasiment. Et pourquoi pas? Parce que moi, même des Dash, son ordinateur, il commence à plus beaucoup plus au niveau de. Au niveau des jeux de puissance, au niveau de la puissance de la carte graphique surtout. C'est de la carte graphique qui m'a dit qu'elle suivait. Ah bah pas. Voilà, bah on va sur Pinocchio. Ah. Voilà. Bah c'est toi. C'est parfait. C'est énorme. Comme ma bite. Non, on va se faire manger. Ou pas. Ah bah non. Eh bah si, voilà. Qu'est-ce qu'il fait dans l'espace? Je sais pas. Pose-lui la question, il vient de nous avaler. Qu'est-ce qu'il fout, monstre, dans l'espace? À moins que son monde ait disparu et qu'il est tellement énorme que... Bah il a erré. Ouais, faut voir. Bah moi de mon côté j'ai déjà choisi une SP que j'allais faire, quoi, donc ouais, je sais pas, hein. Déjà il y aura de la VP, aussi bien le 1 que le 3. Si t'en parles là, parce que des dash je sais pas ce qu'il fait, ouais. Et peut-être que des dash des idées. Là on a un gros problème en ce moment avec Resident Evil 5 d'ailleurs. Dans le sens où les lâches plantent pendant qu'on fait la vidéo à chaque fois. Boulet. C'est pas génial. Donc on sait pas trop comment on va faire. Donc pour le moment, bah, vu que ça plante. C'est pas... La dernière fois on avait quand même réussi à refaire un truc, mais comment dire ça? On n'avait pas resté derrière parce que voilà qui est arrivé, donc je vais mettre part sur le plage. On verra bien. Bon. Non, pas du tout. Hein. Ça met quand même des belles choses. Hein. Quoi, les oiseaux te perturbent. Ah ouais. Oh, mon dieu, les oiseaux. Non, mais c'est parce qu'il y a eu un blanc qui m'a surpris. Voilà, c'est tout. Un flashback. Ouais. Il s'est probablement évanoui, c'est ça. C'est bon. Toujours comme je dis. Quoi?
OMG, ma copine me clash en ma bite. Voilà, c'est génial. Merci. Mais de rien. Ne l'écoutez pas. Écoutez la voix de la sagesse. C'est toi la voix de la sagesse ? Oui, c'est moi. Ah ben non, c'est la voix de la connerie, ouais. Mais le vaisseau, il est mort, alors. Ça va ou t'es en train de muer, là ? Je te dis, j'ai des problèmes de voix tout à l'heure pour les gens, c'est pareil. T'es en train de muer ? Je vais avoir une voix comme ça. Je pourrais. Regarde, même comme ça, la voix est marrante. Voilà. Pinocchio. Il appelle vraiment comme ça? Commandant Pinocchio. Non, c'est nul. Commandant Pinocchio. Je sais pas. Ça existe vraiment ça? Je sais pas. J'ai dit une connerie, je sais pas. Alors, allez, famille. Je te viens tout de suite sur le monde, je crois que c'est le monde qui va me saouler. Donc, comme d'habitude, il y aura de la rage. C'est pas toi qui me tapes le lundi. Hein. Malheureusement, et tous mes abonnés qui me suivent depuis longtemps savent que c'est pas à moi de me taper un labyrinthe. Oh, ça il est taquin. Ah vache. Hein, ça il est taquin. Les taquins. Ah ouais. Ça va, je réfléchis pas. Moi je vois un taquin, je fais oh. Ça a l'air de vraiment t'inquiéter. Il est péto. Ouais. Hein? C'est... Non. Elle a pas de poisson. Je vois pas Pinocchio se battre, personnellement. Non, moi non plus. Voilà. Oui. Je me souviens. Bon, les coffres, on dirait que c'est tard. Voilà. Tu te remets le jeu dans les mains. Je sais pas si ça ressemble vraiment à ça une gorge, mais Attends, on en lance pas un point. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ventre de baleine. Ah bon, c'est ouais. Multicolore comme ça, on dirait une piste techno de 1990. Sora, je croyais que tu aimais les jeux. Oh, ces enfantillages ne t'intéressent plus maintenant que tu as la Keyblade. Rico, qu'est-ce que tu fais ici? Je joue avec Pinocchio. Dis pas n'importe quoi. Et Kairi alors? Tu l'as retrouvé? Possible. Attrape-nous et peut-être que je te le dirai. Non, attends. Genre, ils ont le temps de faire ça, mais... Alors, voilà, tu vois, c'est dans le ventre 1, tu passes direct au ventre 3. Ah bah c'est pas le ventre 2... Putain, ils ont des PV, eux. Ils ont des PV. Non, dans le ventre 3. Peut-être à les taper super fort. Il me semble plus balourd. C'est moi que tu les démontes. Je commence à bien savoir le que tu crois. J'ai l'impression que tu les tues plus vite que moi je les tue à la grappe. Bien entendu. Il y a les deux qui m'aident là. Bah moi aussi ils m'aident. Bah écoute.
Alors. Je peux pas ouvrir. Mega Ether. 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 Dans Fire Emblem, quand Ike possède sa super puissante attaque, il dit Great Ether. Et ça s'écrit pareil, donc chez Ether. Là, pour l'instant, on est dans Kingdom Hearts, voilà, entre deux. Great Azure. Voilà. Sinon, je le conçois qu'en français, ça se dit bien Ether. Oui, mais moi, j'appelle ça de Azure. C'est tellement plus démoniaque. Vraiment plus résistant par contre les petites bébêtes noires. Alors je sais pas, d'un côté j'ai l'impression que tu tapes plus fort, mais d'un côté j'ai l'impression qu'ils résistent plus les monstres, mais d'un côté tu les tues plus vite que moi. Enfin je sais pas, c'est spécial. Oh pas toi. Boule, quand je te pousse tu roules. Regarde, il a perdu la moitié de ses PV, à moins que c'est Donald qui a compris qu'il pouvait attaquer avec des sorts de flammes. What? C'est pas moi ça, c'est Donald. Ouais, c'est Donald, il a fait un sort, BAM! Des trois quarts de la vie en moins, gros. Parce qu'en plus tu peux l'attaquer de face avec la magie au final. Et Donald quand il décide de lancer un sort, what? Ah ça c'est une bonne nouvelle. Tu l'es pas toi? Si si. Je voudrais faire que style droit. Hein. Ouais, te dépasser en même temps. Enfin, oui, je sais, on joue pas de la même manière. Blablabla, blablabla, bla. Et d'un coup, il fait oh, 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 tu peux pas passer. Alors, entre 3. Non. Entre 3, tu l'as déjà. Bah non, pas au même endroit. J'ai vraiment une tête de moche. En fait, le but là, c'est pas tomber. Ouais, c'est pas gagné. Alors, what? Dingo a pris le don de MP, ça veut dire qu'il peut donner de sa magie. Ah! T'es pas tombé si loin. Faut que tu passes. Ouais, par là. Ouais. Ça va, c'est. En fait, tu sais quoi? C'est pas tant. Enfin, moi, ça me. Voilà, là, tu attends, mais là, par contre, je sais pas où ce que t'as fait. Non, de l'autre côté, derrière, il va. Là. Ah bah, tu sais quoi? Je te retrouve mon chemin, là. Dans ma tête, j'ai la carte. C'est bon aussi, hein. Non, mais tu vois, tu roules le bureau. Non, parce qu'en fait, là, tu sais que c'est plus des réseaux de tunnels. Ou, tu sais, genre une ruche d'aliens. Et bizarrement, ça, je m'y repère. Bon, là, tu vas me dire, c'est pas très compliqué, quoi. Mais quand tu vois que... Non, je vais bouger. Est-ce que je vais bouger? Non, je sais pas. Non, non, je sais que je passe par là. Non, regardez, je peux sauter. À mon avis, il faut sauter là. Ah, oh, regarde, il y a une porte. On n'a pas encore vu. Tiens, ils ont quand même beaucoup de PV ceux-là. Hein. Franchement, c'est un peu abusé. Par contre, je les ai pas encore vus attaquer. Je suis une marionnette avec un œil défrivolé. C'est une redonne. Monsieur Bobol.
Je roule parce que faut que tu roules. C'est juste ta magie. Alors. Bah écoute, j'ai l'impression qu'ils se débrouillent bien mieux les deux là. Parce que c'est moi qui joue. C'est complètement injuste. C'est la discrimination raciale. Non. C'est... Moi je dis du bien du jeu, toi tu dis que du mal. Je dis pas que du mal, non, je dis du bien aussi. Franchement, j'ai beaucoup apprécié le combat de fin à Graba. Avec le génie, tout ça là. Par contre, j'ai pas aimé. C'est trop chiant en fait à taper l'autre là. Entre 6. Bah t'avances. Il y a que le gauche soit pas tombé pour ton autre pas. Moi je les aime bien ces monstres-là, ils font rire. Yeah, je suis un tenu avec des pattes. Complètement tiré d'Agrabah et tout. Les diablotins aussi, je les aime bien là. Même les loupiottes maintenant, je les trouve rigolotes parce que... Alors, c'est plus un c'est... Elles ont beau avoir plus de vie que les premières qu'on a croisées, tu les two-shots maintenant. Donc c'est plus chiant en fait, tu vas juste les attraper. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je ne battre sans répit. Je ferai tout pour notre vainqueur. Tiens, fini. C'est fait. Le culte. Non, pas un culte. Pas envie de chanter avec toi. Tu sais que des fois tu me fais verser des larmes. Oh. C'est l'habitude. Je pense pas, je sais pas. Non, c'est pas l'habitude parce que sinon tu aurais plus de quoi. Bah. En plus, j'ai l'impression que ma chrome multidirectionnelle bug. Je confirme. Donc j'utilise le stick. Mais la chrome multidirectionnelle qui bug. Ouais, bien là. Tu veux là. Ouais, avec le tonneau. On a quand en bas, mais je ne veux pas y aller. Tu veux aller d'abord là-bas. Non. Ça met 23-5. On prend droit. Voilà. Des coffres. Voilà. Quel délinquant. Est-ce que là, franchement l'argent ça sert à quelque chose au final parce qu'on en cumule. Oui, j'ai acheté des nouvelles armes peut-être pour donner des dingues au magasin. Comme on a dit, ça devient un peu. Bah ils font mal mais ouais ils ont pas d'armes encore. Non, parce qu'on n'a pas fait un shot. Et t'as vu que ça allait two shot, hein. Et t'as acheté sur Faking Seed? Non, chez les nouveaux de. Ah, vérifie si Loulou. Non. Si. Si, vérifie si Loulou. Alors là, c'est bien un truc que tu peux pas me. C'est bien de l'univers de Donald et Picsou. Non, c'est ce que je me suis dit. D'ailleurs, Disney, par pitié, Disney. Remettez Flagada John, s'il vous plaît. T'as connu Flagada John? Mm-hmm. Il est épique ce perso, il est excellent. Et je suis tellement déçu qu'on le voit plus maintenant. Avant, il avait sa propre série Flagada John. Avec il était pilote d'avion et son métier c'était de livrer des trucs quoi. Et à chaque fois il avait un problème lorsqu'il faisait une livraison, il y avait je sais plus quel ennemi qui lui faisait chier, il y avait des monstres qui apparaissaient sur mon époque. Et j'adorais cette série quand j'étais jeune. Enfin plus jeune.
Elle est vieille, hein, parce que je la regardais... Mais on sait, t'es vieux. Je suis vieux. Non, mais tu sais pourquoi je parle de l'argent? Parce que... on a énormément de millions. 6461, arrête de te servir de cette promesse directionnelle. Je vais lui mettre du scotch devant. Tu pourras toujours appuyer quand même, et au moins ça te montrera que ça fait chier. Quoi? Non, rien. Voilà, hein. Tant qu'à faire, maintenant. C'est par là qu'il faut aller ou tu vas au hasard? Bon, là je joue un peu au hasard. De toute façon, de l'autre côté, il n'y a rien, donc ça peut être que par ici. Ils sont beaucoup comme ça. J'ai remarqué que la foudre, ça marche bien. Après, je dois t'avouer que même si je dis ça, j'utilise pas ma magie, donc... En fait, tu sais pourquoi je pense que c'est facile aussi, hein? Simplement parce qu'ils s'entêtent, enfin il y a les ennemis sont moins forts et moins nombreux quand il y a les petites loupiottes vertes parce qu'ils se disent elle va healer, tout ça, faut pas que ce soit abusé, donc on va mettre moins d'ennemis. Le problème c'est que de base comme tu fais très mal au corps à corps et que tu vas tuer des ennemis très rapidement, et que derrière, il y a que les gros qui te font vraiment chier, et bah les loupiottes on s'en fout un peu en fait. Regarde, t'as vu les dégâts que tu fais maintenant? Je crois que maintenant, le fait que t'as abandonné la magie, que tu veux par contre plus d'attaque et plus de défense, tu sais, c'est vraiment devenu... ça commence à être important, en fait. Tu dis si je t'emmerde. Non, c'est ça qui m'énerve. Là, par contre, je veux du combat. Enfin, je veux arrêter le combat. Stop, combat, stop, arrêtez. Faut le faire quand même pour les coffres. Ah ouais, en gros, pour les coffres. Là-bas, on y est allé. Ah là, putain. Il y a des coffres, hein, tu sais. Là, mais de toute façon, t'es en plein combat, donc tu peux pas. Bon, tu viens en vente pour voir. J'ai pas réussi à rentrer dans le ventre 4 en fait. C'est pas par où il est. Ventre 4 quelque part. C'est sûr que c'est un ventre 1 mais qu'il y a un ventre 5 aussi. Mais... Ventre 6, mais là, on va voir. Ouais. Donc, il y a un ventre 4 qu'on va pas visiter. Ouais. Écoute, ce que je te propose, c'est d'aller à l'entrée pour sauvegarder. Ouais. Bon, je finis de tout tuer. Voilà. Par la bouche sans problème. Je préfère rien dire. Quoi? Bah quoi? Ah attends, parce qu'il faut remonter. Ah, ça c'est quand même une autre histoire. Ah non, c'est bon. Tu fais des mouvements bizarres des fois. Tu vois, tu vois l'escalier mais tu pars quand même à droite. Alors que tu sais que c'est là qu'il faut aller. Mais... Oh, c'est bon. C'est bon. Arrête d'utiliser... Ouais. Bah écoutez, on vous a fait déjà fait un petit tour de la baleine. On va essayer dans la prochaine vidéo de trouver le ventre 4. Apparemment, c'est là où ils sont, puisque finalement, les ben, autres... Ouais. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Et ben portez-vous bien. J'espère que ça vous a plu. À tout de suite, et... A plus.